À Barcelone, à Genève, à Milan, à New York, à San Francisco, les restaurateurs trient leurs vieux déchets. Pourquoi pas à Paris? Qu'est-ce que tu rentres dans le biodégradable, toi? Tout ce qu'il y a alimentaire. Bah, les épluchures. Tout, la boue, le reste de repas, le bar de café. Il reste quelques croûtes de pizza, très peu de salade. Le roi de la poubelle. Parce que nous, comme on fait tout maison, on a énormément de déchets. On épluche tous nos légumes, on traite toutes nos viandes. Tout ce que les gens ne mangent plus, dans cette poubelle-là, on met tous les déchets. Chose contraignante, en fait, c'est la place. Tu vois, il y a des cubes de patates. Tout ça, ça se valorise super bien en plus. Tu mets un seau, tu mets des déchets dedans, et puis voilà, en fin de service, tu vois vraiment ce que les gens ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. J'ai dit ce matin, j'ai dit cette poubelle-là, c'est la poubelle où on va mettre le biodégradable, tac tac tac, ils ont commencé ce matin tout de suite. D'accord, en fait, en tant que Moulineau, il ramasse des déchets dans le resto. Il faut, pas le choix. Et si on peut montrer l'exemple aux autres, on y va. Ouais. Moi, ça m'intéresse. Monsieur Moulineau garantit un traitement écologique des biodéchets par méthanisation ou compostage.